Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Yves Loubet, le nouveau directeur de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, Lorraine Airport, nouvelle version. Donc depuis le 1er juin 2019, j'assure l'intérim en tant que directeur général suite au départ de monsieur Lafay. Alors quel va être ou quel est votre rôle au sein de cet aéroport? Traditionnellement, je m'occupais depuis de longues années déjà à épauler les différents directeurs généraux qui sont passés en tant qu'adjoints au niveau de l'exploitation, de la sécurité, de la sûreté et de la mise en place de la certification européenne. Donc les dossiers d'exploitation sont de mon fait de toute façon depuis de longues années. Donc je vais prendre le relais surtout au niveau communication, développement, relations avec les tiers, le rôle du directeur général en plus de mes fonctions d'exploitation. Voilà le schéma. Alors donc une saison qui a démarré, printemps, on arrive à l'été, alors comment ça se passe pour l'aéroport régional? Donc on est en plein cœur d'été sur la saison en effet, bon ça se passe comme d'habitude j'allais dire avec nos vols traditionnels réguliers avec Air Algérie, avec TUI sur le Casablanca, les vols vacances qui battent leur plein naturellement et les vols réguliers traditionnels aussi français sur Lyon, Toulouse, Marseille, Nice. Voilà. Donc, pas de changement, c'est un changement de gouvernance n'implique aucun changement sur l'exploitation à l'heure actuelle. Donc, on prépare déjà, j'allais dire, la saison hiver, tout doucement. C'est même l'heure d'y penser. Donc, ça n'a pas bouleversé l'équilibre et le schéma de fonctionnement de l'aéroport. D'accord. La fréquentation en ce moment, c'est bon? Vous êtes un petit peu au-dessus que l'année dernière? Comment ça se passe? À l'heure actuelle, nous sommes toujours légèrement au-dessus de la fréquentation de l'année dernière, qui était déjà une bonne année. On espère pouvoir continuer en ce sens-là. On a toujours des inquiétudes parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Des vols qui peuvent être raccourcis sur la durée, des fréquences amoindries. Mais bon, on devrait tenir peu ou prou le cap de l'année dernière. Oui, je pense qu'on peut... Avec une vue à mi-année, juin, on peut dire qu'on devrait tenir le cap. C'est vrai qu'il y a la réflexion avec UP qui parle de fermer pas mal de lignes. Vous n'avez pas d'informations là-dessus en ce qui concerne l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine? Si, des informations assez fraîches, naturellement, qui nous sont parvenues de UP. A priori, le vol de Lyon donc, est confirmé, sans aucun problème, avec le même type de machine, Embraer 145. On se retrouve également avec les vols sur Nice qui seraient maintenus. J'attends des choses officielles, mais ils sont déjà en vente, a priori, dans tous les bons sites. Donc, on continuerait sur Nice également. Donc pas d'inquiétude au niveau de Metz. Ça, on peut déjà rassurer les gens, avec donc les fréquences maintenues sur Lyon. Identique sur Nice, jour du lundi, mercredi, vendredi et dimanche, fréquence sur Nice. Donc pour nous, je dirais que la relation avec Hop perdure à l'identique.